Elsa. Troisième double faute de la part de Yannick Noah depuis le début de cette rencontre. Un jeu partout, dernière manche, balle neuve. Un peu de silence, je vous prie. Au service clair avec des balles. Deux coup de chance pour Yannick Noah à son tour. Et comme vous en êtes aperçu, les deux joueurs temporisent maintenant au milieu du court à l'échange et mettent longtemps avant de se décider à faire une attaque. C'en était une de la part de Yannick, il a été heureux. Ace de Claire, 30-15. Garante.
15. Ah, c'est magnifique. Toujours la même constance de la part de Claire qui n'aura vraiment que très peu raté en passing shot depuis le début de cette rencontre. Et l'on comprend qu'Yannick hésite par instant à attaquer. Mais pour attaquer, il faut jouer beaucoup plus long. Là, c'est encore une attaque qui était à 1 mètre de la ligne de fond de court. Et c'est sans problème que Russell Whistler a réussi son passing shot. Les deux joueurs sont atteints physiquement, cela se sent. Mais j'ai tout de même l'impression, là Jean-Paul, que Russell Whistler est plus frais que Yannick Noah. Oui, c'est également mon avis. Je crois que c'est maintenant que Yannick va aller chercher très loin au fond de lui-même pour essayer de revenir à la marque d'une part en gagnant son service. Et ensuite au fameux 7e jeu. Non, parce que nous sommes à 2-1, pardon, nous sommes à... Encore un peu tôt dans le set, mais enfin, il est possible qu'il cherche à temporiser encore un peu, compte tenu. D'ailleurs, il se met un petit peu de lotion rafraîchissante sur les jambes. Probablement Sportline. Quel échange fantastique! Il fallait gagner ce point, Hervé, car il est difficile. Physiquement, ce point a usé les joueurs. Yannick était encore en difficulté là-dessus. Regardez comme il revient. Formidable ce coup. 15-0. Et c'est ce genre de point qui remet un joueur en selle. S'écroule un peu sur son service quand il le frappe. C'est ce qui lui fait rater sa première balle. Le voilà, le grand Noah de nouveau. Deux jeux partout dans la dernière manche.
Pourra-t-il continuer à infliger ce rythme au jeu, Yannick? On ne le sait pas, mais s'il y parvient, il s'en sortira, je crois. Je vous signale par ailleurs les qualifications pour les huitièmes de finale de Caroline Bassett face à Dinou, 7-5-6-4. De Thomas Schmidt, s'est qualifié aux dépens de Kael, 6-2-6-1-6-1. Qualification aussi de Joachim Nyström face à Yul, 6-2-6-0-6-2. Voilà un tour qui a fait du bien à Nyström, qui avait été très sérieusement accroché par De Palmer au tour précédent. Nouvel ace de José Luis Clerc, 30-0. 30-0. Vraiment très solide, Claire, aujourd'hui. Sur la ligne. Et comme dirait Yvan Petra, notre malheureux ami disparu, ça descend. C'est un de ses mots favoris, et effectivement, ça descendait dans ce jeu. Clerc mène 3-2 dans cette dernière manche. Noah pensif, on le serait à moins. Ah, ça devient très difficile, là. C'est vraiment une lutte à l'énergie, au courage. Plus rien d'autre ne compte. Le joueur est seul avec lui-même et ses problèmes. Et en face de lui, quelqu'un de déterminé pour essayer de lui ravir la partie. La grandeur et la noblesse du sport se retrouvent très particulièrement dans ces moments-là. Mesdames et messieurs. Philippe Châtrier, le grand maître d'œuvre de Roland-Garros, celui qui a fait de ce tournoi l'un des trois plus importants au monde et qui assiste à cette dernière manche. 3-2 pour José Luis Clerc, Noah au service. Maintenant que le public doit soutenir Yannick, son action et sa présence sera importante. Thank you.
40-0. Genoa, 3 jeux partout. Et il est possible, la dernière manche. Possible, Hervé, que Yannick ne soit pas tout seul à être pris. Et le public réagit enfin. Il sent bien, le public, que c'est maintenant qu'il faut aider Yannick Noah et qu'il faut que le Français prenne maintenant le service de Rosset Louis Clair. Ils vous ont entendu, Jean-Paul. Merci. Sans chauvinisme, hein. Genoa, 3 jeux partout, dernière. Rosset Louis Clair au service. C'est le septième jeu, ce fameux septième jeu pendant lequel, dans la majeure partie des cas, un match se décide. L'occurrence, c'est vraiment le match qui se décide. Souvent, c'est le 7, mais là, ça va peut-être être le match. Si Yannick parvient à faire le break sur ce jeu, il aura une bonne option. Rien ne sera terminé, mais il aura une bonne option. C'est quel point. Beaucoup de lucidité de la part de Rosset Louis Clair. Quinze partout. Oh, quelle vitesse de balle chez Clair. Formidable. 34. Une balle que nous revoyons au ralenti. Il part de très loin là, Yannick. Et les efforts coûtent cher maintenant. Très cher. Ça va coûter très cher, Yannick. Manifestez pas, s'il vous plaît, pendant les échanges. Pour l'Argentin, Rosset Louis Clair qui a joué ce septième jeu à la perfection. Jean-Paul, il n'y a rien à dire. Absolument impeccable. Et Dieu sait si Yannick a lutté. Un central archi comble, 34 degrés sur le court. Un record d'entrée de spectateurs qui risque encore d'être battu aujourd'hui.
cette attraction de Yannick pour les foules, on a déjà signalé plusieurs fois, alors que John McEnroe jouait sur le court numéro 1 en même temps que Yannick, eh bien le central était archi comble et le court numéro 1 était clairsemé. Pourtant, il y avait là-bas le numéro 1 mondial. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Allez Yannick. Trois heures cinquante de jeu. L'énergie. 15 partout. 15 ans. Yannick s'arrache vraiment dans toutes les positions car là il n'est plus question de parler technique ni quoi que ce soit. Il se bat, il se lance dans la balle à corps perdu. Ça réussit encore. Oh là là. Un modèle de retour de la part de Russell Whistler. 30 partout. Le vent qui souffle sur le central actuellement. Passe par tous les états dans la cabine, là, Jean-Paul. Je ne me prononce plus pour rien, Hervé. Claire avait fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Il avait pressenti le service de Yannick sur son revers. Et Russell Whistler avait tourné ce revers pour gifler en coup droit son retour. Malheureusement, il n'a pu réussir ce coup. Quatre jeux partout dans la dernière manche. La tension maintenant
est à son paroxysme. Mesdames, messieurs, du silence, s'il vous plaît. Oui, Yann, allez. Et Noah qui fait monter l'adrénaline par des gestes que nous lui connaissons bien. Claire a peut-être été un peu gênée par le public là quand même, car oui. Ayant vu Yannick s'élever à cette hauteur, il a applaudi avant que le point ne soit terminé. Il faudra que le public reste calme pour ne pas gêner les joueurs maintenant, car la tension est importante et surtout pour les deux joueurs. 0-15. De Noah. Quel coup superbe. Là, il s'est arraché encore, car la vitesse à laquelle la raquette doit passer sur la balle est au moins aussi importante que sur un grand coup d'attaque ou un passing shot. 15-30. Le coup ayant été très lifté. Allez Yannick, il faut ce jeu. Et il attaque José Luis Claire, il a raison de le faire sur le revers de Yannick. Bien sûr. À ce moment-là du match, tous les joueurs de haut niveau le savent. Il faut attaquer tant que faire se peut sur le revers adverse. Et quelle que soit la qualité de ce revers, c'est là que se joue la majorité des parties en 5-7. D'autant que le passing shot de revers de Yannick vacille depuis un bon moment déjà.